Tu connais l'art de la guerre? C'est le boss qui l'a écrit. Une belle victoire, mais ne traînons pas trop. Les Aztèques nous attendent au tournant. Et bonjour à tous, c'est Dimway, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Black and White 2. Donc on attaque tout de suite une nouvelle île. Cette fois, on est dans le désert, on va devoir se grouiller le cul. On va découvrir ça ensemble, pardon. Donc j'ai eu l'occasion de terminer donc la précédente map en essayant de faire un maximum de quêtes secondaires pour obtenir le plus de points d'offrande possible. Je crois que je suis aujourd'hui capable de acheter, en tout cas, j'ai 37 propositions, 37 trucs à disposition. Et je pense que je vais investir, je vais vous le montrer juste après, mais je vais devoir quand même aller très très vite. Je pense que je vais investir dans un amphithéâtre qui me coûte grosso modo la peau du cul, je crois que c'est à hauteur de 200 000, et qui me permettra, je crois, d'avoir 2000 points de prestige en plus d'un coup. Pour le reste, on est parti. Alors, comment ça se passe? Donc il y a des armées là, déjà j'ai des trucs à... Voilà. Réduisez ces remparts en poussière. Voilà, donc là normalement on est tranquille. Ensuite, on va commencer à faire un petit peu de place à la maison. Oula! Hop. Merde. Non les gars, non! Ah c'est du minerai, ah excusez-moi. Donc du coup, ce qu'il faudrait que je fasse, donc, comme d'habitude pour commencer... C'est... Ok... Alors vu qu'on est dans le désert, je vais regarder un petit peu... Comme on est dans le désert, je vais regarder un petit peu au niveau des champs. Voilà. D'accord. Les terrains fertiles sont là. Ok. Ça marche. Donc du coup, faut que j'adapte mes constructions en conséquence. Ouais, ok, j'en. Donc on va mettre ça là. Voilà, et puis on va commencer directement à poser des champs. Donc on va s'approprier vraiment tout cet espace. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, on est dans une configuration qui est un petit peu relou. Désolé si ma voix est grave, il est tôt. Très tôt le matin, au moment où je vous parle. J'espère que les mecs vont se grouiller de construire tout ça également. J'ai fini l'entrepôt, donc ça c'est cool, ils vont pouvoir taper dans le minerai. Il faut maintenant que je commence à affecter les gars. Donc on va faire comme d'habitude. On va en mettre une dizaine en tant que fermier. Disciple fermier. Avec trois forestiers. Disciple forestier. Disciple mineur. Disciple fermier. 4. Merde, j'ai mis un forestier. 5. Disciple fermier. Ok. Disciple fermier. 3. 4. Disciple fermier. Je vais regarder où j'en suis. Alors, déjà, je remarque qu'on a un paquet de villes à capturer. Il nous manque un fermier. On a 3 forestiers, 3 mineurs. Ok. Et ensuite, on va directement, bah, comme d'habitude, poser le fermier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Disciple reproducteur. Disciple reproducteur. Ok, on est pas mal. Ensuite, on va commencer directement à poser les maisons. Alors, faut que je réfléchisse à comment je vais m'étendre. Il faut que je fasse ça proprement. Mais déjà, je pense que je peux au moins faire la petite rangée de départ, hein, qui va mettre tout le monde bien. Ok, alors du coup, est-ce que je peux continuer un petit peu sur le mur? Voilà, et me faire une petite maison en plus.
pas du tout. Ok. Bon, j'irai déraciner les arbres un petit peu. Les mecs n'ont pas terminé les constructions, ça fait plaisir. J'ai un côté qui est fait. Putain, le mec m'avait directement envoyé une catapulte, j'avais même pas fait gaffe. Je vais tout de suite essayer de voir si je peux poser une porte. Voilà. Ça me plaît. Attends, je peux pas éventuellement... Non, vraiment que dalle. Ok. Bon, il me reste quelques péons en plus, donc ça c'est cool. Ils vont s'occuper avec Jean-Jean de construire les maisons. Ce qu'on va faire, c'est que je vais directement faire comme d'habitude. Attends. Ou à la limite, tu vois, je trace un truc comme ça. Un truc droit. Enfin, j'essaie. Et tu vois, où j'irai foutre en traçant un autre trait ici, en plein milieu la garderie. De manière à ce qu'elle alimente un maximum de personnes pour optimiser... Ah oui, déjà avant ça. Le grenier. Alors j'ai refait une petite partie tout seul de mon côté. Je pensais pas que le grenier était... Qu'est-ce qui t'arrive Jean-Jean ? Le grenier était si important que ça dans le sens où... Tiens, c'est bien ici. Dans le sens où à la précédente île, en fait quand j'ai fait les quêtes secondaires après, je me suis retrouvé un petit peu dans la merde. Ouais, faut que je fasse des trucs pour que les mecs puissent prier, là, ils sont pas bien. Je me suis retrouvé vite dans la merde en termes de bouffe, et j'avais qu'un seul grenier, et je vous avoue que dès que j'en ai construit un deuxième, ça a été le changement radical, quoi. J'étais en excédent partout, laisse tomber, quoi. Donc, au lieu de, tu vois, j'avais, je crois, fait peut-être 36 fermiers, un truc comme ça, sur 5 champs différents, je suis redescendu à 18 parce que c'était plus nécessaire d'en avoir autant, quoi. Bon, par contre, à côté, j'avais, du coup, 9 mecs qui sont partis quand même en tant que raffineurs. Donc on a vraiment des gros groupes, moi je serais d'avis les gars que vous terminez ça le plus rapidement possible, tout en sachant qu'il y a déjà un mec qui est rentré chez moi quoi. Je pensais pas qu'il pouvait passer par là en fait. Ouais tu vois, ouais parce qu'en fait, j'ai pas de portée pour construire. Est-ce que du coup je peux m'étendre Merci Jean-Jean, c'est le... Bien wesh. Attends. Le truc c'est qu'il faut pas... Non, je peux rien faire du tout. Non. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Jean-Jean les a rameutés à la maison. Putain. Ah non, ils peuvent pas monter. Ok. Ok, bah je suis tranquille. Juste à surveiller qu'ils passent pas là. Bon. Je reprends les armes. Je vois que c'est une manie dans la famille des raffinés. Donc il faut que j'affecte du raffineur. Voilà. Disciple raffineur. Donc ça fait 2. Disciple raffineur. Donc comme d'habitude, hein, le premier épisode, je vais pas l'inventer les gars, je suis forcément obligé de faire ça. Disciple raffineur. Ok. Ce qui vous permettra peut-être de éventuellement me laisser dans les commentaires. Parce que je vais vous montrer en fait les points d'offrande. Hop, et on va aller tout de suite dans les trucs les plus importants. Alors j'ai la possibilité de créer une deuxième merveille, mais comme on le sait, la merveille, ça va pas m'aider pour le pouvoir, ça va surtout m'aider pour le prestige, vu le temps qu'il faut. Pour pouvoir la créer, donc voilà. Donc là, dans les derniers trucs, vous avez quand même une merveille. Je suis à 624 000 de points d'offrande qui coûte 600 000. Hein, donc qui me laisserait derrière aucune possibilité. Parce qu'en même temps que je parle, il faut que je surveille. À côté de ça, vous avez l'amphithéâtre qui, là, pour le coup, coûte 200 000 mais me rapporte 2000 points de prestige. Donc ça, c'est important. Avoir 100 hommes, je suis pas trop armé comme vous le savez. Miracle du météore, c'est pas ouf de chez ouf. Après, je peux améliorer les engins de siège. Pardon, putain, j'ai du mal à le dire, c'est le matin. Et moi, le seul truc qui m'intéressait éventuellement, c'était les remparts fortifiés, tu vois. Histoire de bien se coffrer à la maison, même si c'est pas super utile. Mais dans l'immédiat, je vais faire ça. Allez, je vais même pas attendre d'avoir votre tour, les gars. Je pars direct sur l'amphithéâtre. Ça me semble important. Ok, alors, on va essayer de progresser un petit peu plus vite, donc on va créer tout de suite. Je vais essayer de laisser un petit peu de place. On va faire ça. Donc je vais faire deux maisons ici. Et on va direct partir sur ce qu'on a l'habitude de faire et qui nous rapporte dès le début pas mal de points d'offrande. Je surveille les mecs. Les gars, ce serait bien de me le terminer s'il vous plaît. Ça va être tout ce qui est marché. Et on va les mettre ici. Voilà, évidemment les pierres qui me gênaient tout à l'heure me gênent maintenant. Marché aux statues juste à côté. Ah, par contre, ça rétrécit trop ici, tu vois. J'aurais dû l'étendre un petit peu plus. Et enfin, il m'en manque un, c'est marché aux plantes. Ok. Donc là-dessus, on est bon. Ce qu'on va tracer direct, on va essayer de faire en sorte que...
que je me fasse enculer là. Hein. Ah ouais, là je suis clairement pas bien là. Hop. Ok, bon, de toute façon, il va falloir que je termine tout de suite. La garderie. Donc ça va me permettre d'estimer très très rapidement combien j'ai d'enfants. Alors, j'ai regardé également les enfants récoltent en même temps que leurs parents. Quand ils vont dans le... Bah, quand ils sont fermiers ou autre. Voilà, j'ai niqué tout mon bois. Donc du coup, ici, normalement, je peux m'étendre. Putain. Alors, je suis toujours, je vous l'ai expliqué, j'ai pas mal de... Enfin, pas des soucis, mais j'ai beaucoup de trucs à faire en ce moment vis-à-vis du boulot. C'est toujours en cours, hein. C'est toujours en cours, donc j'attendais un petit peu de digérer le truc. Là, c'est fait. Maintenant, c'est acté dans ma tête. Dans ma tête. Mais vous m'avez toujours pas terminé ça, les gars. Enfin bref, vous m'avez compris, les gars, quoi. Il me reste quand même 2-3 trucs, donc ça va pas encore être la fête du slip pour commencer à faire du record, quoi. Ok, donc ça c'est terminé. Alors maintenant, il faut que je vois si j'ai possibilité au final de pouvoir quand même créer une porte, parce que sinon je vais jamais pouvoir sortir de chez moi, les gars. Ni faire entrer des types. Ok, bon. Donc eux, voilà, ils reviennent. Là-dessus, on est bon aussi. On va terminer ça. Voilà. Pour le moment, je trouve qu'on a bien démarré. Alors, je ne sais absolument pas combien de temps va durer cette vidéo. Je vais essayer quand même de la faire relativement longue. On va peut-être se créer tout de suite un deuxième champ. On ira étendre jusque là. Ouais, on fera ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'enterrer le clou direct. Même si on va avoir quand même pas mal de galères niveau ressources. J'ai pas la capacité pour le moment en fait de créer l'antre de la créature. En fait, je suis pas assez tendu, faut que je m'étende davantage et que je puisse voir si j'arrive à un moment ou un autre à exploiter ce terrain. Ça va pas être évident, mais on va dire certains trucs comme l'hôtel de prière, etc. Tout va intervenir un peu après. Je vais pour le moment... créer ça. Jean-Jean, qu'est-ce qui t'arrive? Putain, qu'est-ce que t'es que ce... Attends, je vais regarder tout de suite au niveau de sa musculature. 48. Wow. Cosman, ramasse ça, s'il te plaît. Vas-y, Jean-Jean. Alors, Jean-Jean se déplace uniquement en crabe. C'est... D'ailleurs, il a 13 ans. On peut voir son âge ici. On peut voir qu'il est également à sa taille maximale. On peut voir également qu'il a une bonne forme physique. Mais j'ai remarqué que même en étant à fond au niveau musclé, en continuant à se muscler, on augmente également la forme physique et on continue à grandir, en tout cas à se strier au niveau des pecs. Ça c'est cool, j'ai peur de personne. Alors j'ai regardé également, je suis à un alignement maléfique de genre de l'ordre de 91%. C'est-à-dire que c'est plus possible pour moi de revenir en arrière, les gars. Je serais méchant jusqu'au bout, quoi. Ok, donc là on est en train de monter pas mal, on est à 73%, je pense qu'il va me rester 3 séances à faire. Les mecs vont terminer ça, je vais le faire avec eux, et je pense qu'on aura je pense qu'on aura direct normalement débloqué au moins le premier village. 3800. Donc faut au moins que je termine ça. Sinon pour le reste, vous voyez qu'on est nickel, hein, tout se fait doucement. J'ai pas vérifié combien j'avais de mecs dans... Vas-y Jean, muscle-toi. 92. Moi je pense que ça pourrait être pas mal de direct commencer à essayer de bousiller du groupe parce qu'ils sont quand même pas mal éparpillés. Et le temps que les renforts arrivent pour aider les copains. Ok, je suis au max. Alors attends, parce que là du coup Jean-Jean. Je vois que t'es... Ouais, en fait t'es dans la merde. Donc on va te prendre 3000 d'ici. Voilà, tiens. Il est devenu stock en 2-2, quoi. Allez, mange. La bidoche qui va grossir. Allez, on est parti. Et en attendant, on essaie de jouer sur plusieurs tableaux, hein, pas faire les golos. Allez, plus 400 ici. Plus 500 là. Et plus 500 là. Donc là, on a 1005 sur les 3000 qui nous manquaient. On va terminer ça. Vu la bâtisse, je pensais, tu vois, qu'il me faudrait plus de 1000. Donc le truc, tu fais tomber une bougie dedans, t'es mort. 2000 de bois, là, s'il te plaît. Ok, bon, je vais les laisser terminer. Jean-Jean va sortir.
on passe en position combat, donc j'ai essayé, quand j'ai fait mes petites quêtes secondaires dans la précédente map, de le redescendre au maximum, de le mettre au maximum en libre arbitre. Déjà, on va pouvoir se taper ça. On va éviter les infiltrations. Une catapulte de morte. On est parti Jean-Jean. Nous perdons des catapultes. C'est inacceptable. C'est la voix de Sylvester Stallone. C'est un truc de ouf. Bon. C'est un gros groupe que j'ai en face. Et quand Jean-Jean me fait ce genre de truc... Notre créature est arrivée. Ouf. Ok. Ouais, ouais, faut y aller. Faut y aller, Jean-Jean, faut y aller. Putain, on se tape encore des mecs comme ça qui m'allument. Je vais crever. Ah, merde, je peux pas passer par là. Ouh, bah écoutez. Une partie qui commence, j'ai envie de dire... Voilà. Sur les chapeaux de roue. Bon, Jean-Jean est mort. Bon, c'est pas bien grave, hein. Les mecs peuvent quand même pas rentrer chez moi, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si je me fais attaquer, n'ayant pas d'hôtel, je ne peux absolument pas me défendre. Ok, donc ça c'est fini. J'aurais dû balancer quelques pierres et essayer de les avoir de loin tout à l'heure, tu vois. Donc on va continuer les constructions, on va se faire tout de suite, j'aimerais bien qu'on monte vers le haut. On va pas monter vers le bas. Un temple, un amphithéâtre, bain... Putain, si j'arrive à faire... Oh, putain, mais c'est énorme ce truc-là, j'en avais jamais construit de ma life. J'aimerais bien faire un cimetière, tu vois. De manière à ce que je puisse me tendre vers le haut. Il faut que je vois... Putain, mais les gars, ils me font des cailloux, des mâles cailloux, quoi. Un truc de ouf. Hop. Il y a déjà ces petits chez moi, mais non. T'as une avalanche qui est arrivée juste avant que t'arrives. Ok. Je sais de la faire méthodique, je sais de pas tout foutre en l'air à la maison. Moi j'aime bien me développer. Faire ça propre. Ok. Alors le cimetière, est-ce que j'ai fait ça pour rien? Oui. Ah. À la limite, tu vois. Ici on est bien. Le problème, donc on a. On n'a pas de bois du tout, donc on va le construire là, moi. Ok. On rajoute le minerai qui manque. Nickel. Alors, du coup, maintenant qu'on s'est étendu, je vais pouvoir commencer à créer l'enclos de la créature. Ah ouais, parce que du coup, la créature, elle respawn où? Ah du coup... Putain, je suis un fou, moi. Bah ça, on va le voir tout de suite, en fait, si elle respawn ou pas. Ah, elle me fait chier, cette map, c'est un truc de ouf. Déjà, il faut que j'arrive à faire une route. Bon, ça, y a pas de souci. J'ai fait ma route. Mais... Ok, on est bon. Ils construisent un hôtel comme si leur dieu allait leur venir en aide. Stallone. Putain, quand je l'entends parler comme ça, ça me fait penser à Demolition Man. Excellent film que je vous conseille avec Wesley Snipes. J'ai vu une chronique dessus, je sais pas qui en a parlé. Quel youtubeur en a parlé, a fait l'éloge de ce film, et effectivement, c'est un super, super film. En tout cas, bien original. Donc je vous le recommande. Film d'action, tu te prends pas la tête, hein, de toute façon, avec Stallone, il a jamais été question une seule seconde de commencer à réfléchir. Ok, bon bah écoute, la bête à rip-hop, je m'inquiétais un petit peu qu'elle perde toute sa musculature, mais en fait j'ai l'impression que ça va. Donc elle va se démerder, hein, elle va se démerder toute seule. On va peut-être lui faire son antre. Du coup l'antre, il faut que je la mette le plus proche possible de la porte, donc il va falloir que je termine de construire ça, ouais. Ok. Ah ouais, elle, je l'enferme, une miskine. Alors, j'ai découvert, pour ceux qui regardent un peu les animés, en fait, j'en avais entendu parler depuis un moment, j'avais jamais été voir à quoi ça ressemblait. J'ai découvert Jojo Bizarre Adventure. Nous avons conquis une ville! Parfait. Et c'est une série que je vous recommande, c'est juste génial. C'est juste génial pour ceux qui suivent un petit peu les animés, qui aiment bien, et qui suivent un peu tout ce qui se fait en dehors, ça, je parle au plus vieux, de DDBZ. Putain, j'en ai marre des gens qui vivent que par un anime, quoi.
quand on leur parle de DBZ, les mecs deviennent fous, alors qu'il y a tellement de trucs à côté qui ont juste été géniaux, quoi. Donc du coup, les mecs sont venus de où ? Nous allons écraser les Grecs, comme nous avons écrasé les Égyptiens. Voilà. Donc, on va continuer à s'étendre, hein. On va terminer tout ça. Déjà, ce qu'on va faire, on va optimiser ça. Ouais, ça c'est bien ça. Voilà. Au final, tu vois, c'est pas beau, mais si tu regardes bien, pour le moment, toutes mes maisons sont concernées. Alors, faut que je surveille également les mecs quand ils vont arriver chez moi. Pourquoi tu sonnes l'alerte ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, on est bien. Non, on est bien. Il faut... Ouais. L'hôtel est créé. Ah, ça, c'est cool. Donc, je vais pouvoir directement mettre des adorateurs. Ah oui, donc, fallait que je regarde. Oui, le grenier. Je crois qu'il y a des mecs à virer. Putain, faut que j'arrête d'enregistrer si tôt le matin. Mais en fait, j'ai des voisins en ce moment qui me font péter des câbles. Je me dis que c'est quand j'enregistre tôt que je peux me permettre d'avoir un petit peu de tranquillité. Parce que disciple raffineur. Si tu veux, quand je commence à parler et que j'entends taper disciple aussi, moi, j'ai envie de taper raffineur aussi à mon tour. Et je suis pas dans une position où je peux sourire, quoi. Ok. Bon bah écoutez, on est pas mal, hein. Ça c'est terminé, donc on va continuer sur de la grosse construction. Il va falloir que je fasse les bains. Hop, donc ça me demandait beaucoup de minerais. Je remplirai ces bains de sang. J'espère que Jean-Jean n'est pas bloqué. Jean-Jean. Parce que t'es rentré ici, donc forcément tu peux ressortir. J'ai... Jean-Jean. Pff, putain, il fait peur à chaque fois. Ah, on peut voir que le temple, mais c'est en mode, c'est limite temple de Mars, quoi. C'est devenu en mode démoniaque, quoi. Voilà. Donc oui, il me reste des péons libres, faut que j'en profite tout de suite. Il faut que je fasse des adorateurs. Disciple, hein, adorateur. On va arrêter de déconner 5 minutes. Je peux pas non plus laisser le mec me dominer à ce disciple, point. Disciple, adorateur. C'est un gosse, fuck. Alors le problème, tu vois, les adorateurs... Tiens, je pense que le mec est arrivé là depuis le temps. Non, même pas. Je sais plus ce que je voulais dire, peu importe. Donc ça, c'est pas des arbres, hein. C'est vraiment... c'est limite des mauvaises herbes. Les forestiers, je suis obligé d'en garder... Est-ce qu'on peut voir... Ça m'intéresserait... Les mecs au chômage. Ouais, donc en fait, t'as juste à faire la soustraction dans le panel principal, quoi. Ok, bon, je sais pas si j'ai encore des mecs de libre, j'aimerais. Il y a lui, il y en a un côté aussi, j'ai vu. Donc là, j'étais bon. Disciple, adorateur. Donc tout est nickel, normalement il manque juste deux adorateurs. On peut voir que je vais bientôt... Normalement, juste en créant le bain, je vais capturer une deuxième ville. Donc ça, c'est cool. Ça va aller quand même super vite. Et on est bon, ouais, on est pas mal. Ok, donc on va terminer le truc derrière. On peut voir qu'en plus, pour le moment, dans la capture des villes... Oh ! Mais t'es sorti comment, Jean-Jean ? Ah oui, parce que là... Là, c'est... Ah, elle est pas encore chargée. Ah ouais, Jean-Jean, il peut descendre, donc faut que je fasse vraiment gaffe. Il faut pas que je le laisse en mode méchant, quoi. Alors, je crois que j'ai des objectifs que j'ai pas du tout encore regardé pour le moment. Atteindre une population... Faire en sorte de disposer de suffisamment de nourriture. Donc, atteindre une population de 1000 habitants. Bon, ça, je le ferai tout seul. Qualiser toutes les terres fertiles autour de... Construire tous les champs sur des terres fertiles. Oh ! Oh non ! C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Oh, je me suis enflammé. Oh non, non, non. Oh bah déjà, j'ai perdu un client, quoi. Oh bah les mecs sont accueillis à coups de rocher chez moi, quoi. Mais c'est quoi votre délire, les gars? Let me breathe 5 minutes, les gars. Je suis pas bien. Je parle anglais quand tu vas bien. Je sais pas parler anglais. Moi, j'étais tranquille en train de faire mes adorateurs. Non, mais en fait, ils ont juste une dent contre Jean-Jean, quoi. Tu sais, c'est les mecs qui ont pitié de moi, quoi. Ils me mettent mal et aux portes de ma ville sans défense, ils repartent comme ça, quoi. Mais c'est vraiment un affront, quoi. C'est la pire des insultes qu'on pourrait me faire. Oh, je sais pas bien, là. J'ai l'impression que tout ce que j'ai appris depuis des années sur Black and White...
Ah mais eux ils sont traumatisés quoi, c'est-à-dire ils se sont pris un rocher dans la gueule, ils y croient plus les gars quoi. Oh mais je vais reprendre une sauvegarde avant, c'est pas possible. Mais j'ai pas de chat, c'est un truc de ouf. Si je vous ouvre les portes, vous êtes actifs ou pas les gars? Parce que là il y a un moment où il va falloir faire quelque chose, sinon vous allez laisser des. Les gars. Nous avons conquis une ville. Voilà. Et la mana est tombée entre les mains des exilés. Entendre Stallone. Sa perte n'est pas d'une grande importance stratégique. Oui. Entendre Stallone parler de mana, moi je dis ça valait le coup de suivre cette série les gars. Non mais par contre les gars là. Qu'est-ce qui vous arrive quoi? Ah ils sont pas bien, ils sont pas bien. Tu vois j'aurais bien voulu leur mettre un petit coup de soin. Mais n'empêche mon premier rocher a été quand même relativement efficace. Donc c'est pour ça qu'ils m'en ont mis si près, parce que ça allait être grosso modo la merde du début à la fin de la partie, quoi. Ok. Bon, bah écoutez. J'ai un village. Non mais les gars. Non, non, les gars sont vraiment inactifs, quoi. Donc, bah écoutez. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il fera au moins 20 minutes, et on se retrouve très vite pour un prochain, on va développer tout ça, se venger, s'étendre, aller voir directement. Bah oui, on n'a pas eu l'occasion de regarder la map à côté, donc je suis ici, quand même pas mal de captures, ça va pas être trop chiant, il y a pas mal de petites quêtes secondaires, j'en ai au moins deux, j'en ai trois, donc pas mal de choses à vous montrer. Je pense honnêtement les gars que je vais reprendre une sauvegarde antérieure, donc très légère. Ah non, je vais être obligé de tout recommencer si... Parce que tu vois, l'autre c'est un psychopathe du combat, quoi. Il en peut plus. Il déplace des rochers énormes, quoi. Putain, Jean-Jean. Mais Jean-Jean. Mais ma bestiole peut pas être aussi conne. Ok. Alors, comment te dire? Que ça... Non mais c'est une carotte absolue. Bon, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire si cet épisode vous a plu, voire à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous dis tous à très bientôt, portez-vous bien. Ciao tout le monde.